par drogue, par contre. C'est pas mon habitude, donc je vais éviter d'en dire. Enfin, c'est la première fois que je teste ce truc et je suis malheureusement obligé de dire que le seul truc qui est bien, c'est la musique. Parce que la musique en fond, c'est celle de Wacky Wizard, donc oui. Et donc j'y joue un tout petit peu et. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui préfèrent jouer à ça que le vrai Fall Guys alors qu'il est devenu gratuit il y a pas longtemps. Voilà, aujourd'hui on va faire des parties. Là, je vous montre mon talent de fou malade à des jeux plagiat de un peu nul. Alors, veuillez noter que mon téléphone lag, donc ce n'est pas vous, vous inquiétez pas. Ah, par contre, c'est chiant. Le truc qui est chiant, c'est les personnages. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est très gentil de se cogner, mais. F! Oh, mais non, mais. Et c'est la même chose que sur un des trucs de Fall Guys, ça là. Les trucs en plein milieu du chemin disposés comme ça, là, ça me dit quelque chose. Oh, comment j'ai survécu cette merde. Pardon! Oh, mais en plus, c'était même pas un checkpoint. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Ouais. Le seul truc qui est bien, c'est la musique parce qu'elle reste en tête. Voilà. Je vais faire une pause jusqu'à ce que je réussisse à aller au niveau. Au truc 2, d'accord? Voilà, attendez. Oui, j'utilise X-Recorder et alors j'ai l'impression d'être un gamin, mais non, mais sans les... bah, j'en suis un justement, mais. Hop, allez, pause. Petit cut. Pour les gens qui veulent savoir, ça sera quoi la première map du premier test? Bah voilà, c'est celui-là, là, Hubble Stumble. Je viens de me faire éliminer à 14-16, comme vous voyez sur l'écran, c'est bug. On réessaie avec Cannon Climb, je ne connais pas cette map non plus. Je me suis qualifié sur Cannon Climb. Voilà, je vous épargne de l'attente. Ah, bah non, je ne peux pas vous épargner. Donc, enfin, au deuxième essai, ben, j'ai réussi à me qualifier. Je vais essayer de faire une victoire, même si je pense pas que c'est pas gagné, mais. Mais voilà. Allez! Ah, le lag! Bon, bah, allez, continuons. Ah, il y a. J'ai cru voir Calimero, sauf qu'il est jaune. Calimero, mais il s'est décrassé. Tilefall, c'est quoi ce truc? Oh non, c'est sur la pointe des pieds, mais version flash nulle. Ah, je suis. Ah, bah oui, je suis tombé, bien évidemment, parce que ce jeu, ben, il lag. Car les modèles 3D sont. Ah bah d'accord, merci. J'ai aidé les gens, je suis très content d'avoir aidé les gens. Et tout le monde se sert de moi. Enfin, après, c'est comme ce que fait les gens sur la pointe des pieds. Ah! Bon, après, c'est pas grave si je me qualifie pas parce que ce truc, c'est même. Rageur. Et regarde! Comment les gens ils poussent alors qu'il n'y a pas de grab? Le saut ici, mais c'est n'importe quoi. Oh non, le mec qui vole la victoire de juste devant mon nez. Oh purée, ça fait ch... Ils m'ont demandé de les noter, alors je vais les noter, vous inquiétez pas. Voilà, plagiat de Fall Guys, bien de A à de Ghoul Guys, donc ça n'existe pas.
Voilà, de Fall Guys. Bien évidemment. Voilà. Est-ce un jeu de simulation de combat aérien? Non. Est-ce cette application est-il à utiliser? Non. Est-ce que c'est un jeu d'armée un peu? Voilà. Je pense que voilà, j'ai mis mon avis. Terminé. Voilà, pour ceux qui veulent checker, ben voilà, j'ai mis mon avis sur Stumble Guys. Voilà. Ah, allez, en revanche. Moi, c'est un petit cut, hein. La vidéo n'est pas finie, vous inquiétez pas. On va essayer d'aller au moins minimum à la mouche finale, parce que tout à l'heure j'ai réussi quand j'avais encore un skin, et ça, bah qu'une fois, voilà. C'était sur le truc des hexagones plagiat, mais voilà, donc. Le truc des hexagones plagiat, et ben c'est un peu nul, je trouve. Et pourquoi mon personnage il court dans le vide? Boop. Allez, dernière partie sur ce jeu qui a l'air bien modélisé, mais qui fait laguer tout téléphone pourri comme le mien. Donc je ne ferai pas de deuxième partie vidéo si vous êtes dessus. Enfin, si, on va dire, si j'ai 10 likes, je refais une vidéo dessus, mais je pense pas que je ferai une autre parce que, bah voilà, si ça vous plaît. Non, pas 10, je vais dire 5 likes. À 5 likes, je fais une partie 2 de cette vidéo. Voilà. Voilà, donc. Chose que j'espère absolument pas parce que j'aime pas trop ce jeu, j'ai pas l'intention d'y rejouer. Et pourquoi ça prend autant de temps par contre En fait, quelqu'un peut me dire dans quel sens ça défile? Quand je crois que ça défile à gauche, et ben ça défile à gauche. Quand ça défile à droite, ça défile à droite. Gauche, droite, gauche, droite. Ah mais purée, mais j'en ai marre. Le jeu. Bon bah je vais fermer Stumble Guys. Je ne compte pas vous montrer mon fond d'écran car c'est pas non plus intéressant et en plus c'est un truc à moi le fond d'écran. C'est un truc à moi que j'aime beaucoup. Lui faire des bisous. Mais je vais pas le dire parce que c'est ma vie privée, merci. Pour ceux qui veulent deviner, ben non. Voilà. Stumble Guys, Plagia Guys, oui. Peut-être que je ferai une vidéo où je teste les plagiats de Fall Guys. Et voilà. Et je pense que ça peut être marrant. Ok, je suis sur Pivot Push. C'est quoi Pivot Push? Ah, d'accord. Merci le joystick. Ça lag tellement par contre. Ah, ah c'est horrible à contrôler. Tout à l'heure, j'ai testé cette map, j'ai fait 3 ans à monter ce truc, et ça, j'ai fail tout à l'heure dessus. J'étais pas en train de faire la vidéo. Ah bah merci, c'est très gentil que le joystick me lâche au pile au bon moment. Ironie, merci. Oh bah en marchant tout droit, j'ai l'impression que ça marche. Bizarrement. Ça ne veut pas me pousser, je peux pas faire des techniques cool. Non! Le vidéo game, il me harcèle, maman. Oh, bah thanks. Merci que je sois qualifiée. Là, actuellement, je suis dans mon lit, c'est pour ça que... Ah, voilà. Je pense que dès que j'aurai fini de tourner la vidéo, je la publierai. Donc voilà, je vous étonne pas de mon trailer.
Et après, bah, moi, je vais un petit peu lire, voilà. Je raconte ma vie sans raison. Un jour, je pense que je dirai mon adresse, comme ça, tout le monde viendra me voir. Non. Bah, je vais vous dire mon adresse. J'habite à 13 rue du Jambon. Cherchez pas ça sur Google, ça n'existe pas. 14 reste. Oui, c'est français. Marquer des buts. Marquer des buts. Ah, ça va être le football, là. Le football. Mais plagiat. A duré 72. Apparemment, je sais pas dans quelle équipe je suis. En fait, apparemment, je suis en train de jouer. Et en même temps, non. Genre, je ne vois pas l'écran. Je sais pas dans quelle équipe je suis. En fait, j'ai bugué. Bon, je pense pas, mais si les créateurs du jeu voient cette vidéo, mais ben voilà, merci. Mais je pense pas qu'ils vont me faire parce que c'est bon, ouais. Ils vont pas regarder un youtubeur avec 190 abonnés parce que, bah voilà. Y a une équipe qui a 9 points, mais. Imagine, en fait, c'est l'équipe adverse. 11. Mais c'est quoi ce truc? Attends, je vais écrire dans le chat et on peut pas écrire dans le chat, c'est très intéressant. Moi, je saute. Je saute, ça se voit pas parce que c'est pas Roblox, mais. Mais le jeu! Le jeu, il fait n'importe quoi! Ah, d'accord, et ben j'ai perdu. On a perdu. Ok, ben, parce que. En fait, je crois que ma team entière était buggée. On a fait avant de dormir. Tu Oh non, remarques que j'ai des non, centaines je veux d'histoires. pas! Pardon pour la pub, je ne voulais pas vous faire ça. Je suis désolée. Voilà, j'ai pas voulu faire du placement de produit. Non, je n'ai pas voulu. Voilà. Donc, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ça t'a plu. Enfin, like si ça t'a plu et si ça t'a vraiment plu, bah like et abonne-toi pour plus de contenu stupide. Donc voilà, c'était Rémi le Geek. Alors à plus, les gars.